logic. I got a date with destiny. My heart says yeah, but can't convince the rest of me. I tried so hard. Salut tout le monde, c'est Crash Glitcher et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo de glitch mais pour une vidéo astuce ou tuto sur la map Mob of the Dead de Black Ops 2. Alors c'est une astuce pour avoir au moins 7000 points ou plus à la fin de la première manche. Alors pour commencer vous allez direct quand vous respawnez en trépas vous allez activer le x2 et après vous allez attendre que tous les zombies de la manche 1 y sortent de leur fenêtre. Alors une fois qu'ils sont sortis, à ce moment-là, vous pouvez prendre le x2 et vous allez tirer au moins 4 balles sur le zombie avant de le cutter. Comme ça, ça vous rapporte au moins 300-350 points à chaque zombie. Alors vous faites ça à tous les zombies sauf un, car vous ne devez pas finir la manche. Alors une fois la première étape terminée, vous allez commencer la deuxième étape. Vous allez ouvrir la porte où il n'y a pas les chiens, c'est l'autre porte à côté de l'MK14. Et vous allez vous diriger vers la clé du gardien. Alors si vous voyez que la clé du gardien est là, ça veut dire que c'est bon. Mais si elle n'est pas là, je vous conseille de recommencer une partie car vous ne pouvez pas réaliser l'astuce. Alors vous allez vous mettre en trépas pour prendre la clé du gardien. Et aussi vous allez activer le x2 et la porte pour la salle des cadavres comme moi je l'ai fait dans la vidéo. Alors une fois que la deuxième étape est terminée, vous allez aller prendre la clé du gardien, aller ouvrir la machine et là vous allez vous mettre en trépas pour activer la machine. Alors une fois cette étape terminée, vous allez d'abord activer la machine et là vous allez attendre un petit peu et normalement il y aura plein de zombies qui vont respawn à la manche, même pas sans passer la manche. Et une fois que la machine à laver est terminée, vous attendez que tous les zombies vraiment ils sortent de leur fenêtre, de leur planque, et vous allez monter en haut et vous allez prendre le x2. Et à ce moment-là, vous allez faire comme à la première manche, comme au début de la vidéo. Vous allez tirer au moins 4 balles sur les zombies et vous allez les cutter ou même vous allez direct tous les cutter. Alors, comme vous allez le voir sur la vidéo, ça vous rapporte pas mal de points. Vous avez au moins 7000 minimum à la fin de la manche, donc vous pouvez ouvrir toutes les portes et tout ce que vous voulez. Donc je vais essayer d'envoyer la vidéo à Code QG en espérant qu'ils m'uploadent sur leur chaîne. Et merci à eux s'ils m'uploadent sur leur chaîne. Bon bah j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Make it with no recipe. My selfish ways caught up and got the best of me. I need redemption, no need to mention my past. Cause all that matters now is bigger than diamonds and cash. The glitz, the glamour, the lights, the camera, the action. The stage, the fans, the speakers blasting. You know I want it, I need it. Don't doubt it, I can't live without it. This is everything I've dreamed of. It's everything I've ever wanted.